Il y a longtemps, bien avant l'arrivée des premiers Européens, tu sais, vivait on, on, dans le temps qu'on était encore nomade vivait une famille dans le nord, l'intérieur des terres. C'était l'hiver, toujours, 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 c'était l'hiver tout le temps, tout le temps. Puis le soir, avant de se coucher, la, 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 la femme y à son mari. Faudrait abandonner notre fils. C'est terrible, abandonner son enfant. Fait que le, on, il l'abandonnait parce que parce que le petit garçon était pouilleux. Il y avait plein plein de peaux. La maman avait beau les pouiller tous les soirs, lui enlever les peaux partout partout, le lendemain il y en avait tout, tout autant. Fait que là, ils ont pris la décision d'abandonner leur fils c'est parce que à cause qu'il était un pouilleux, c'était parce qu'il avait plein de peaux que puis per... la maman avait dit à son mari de toute façon hein ces peaux vont venir à bout de lui comme si les peaux allaient finir par le tuer tellement il y en avait fait que le lendemain matin, puis dans ce temps-là, on n'habitait pas dans des maisons, on restait dans des habitations traditionnelles. Puis il y avait comme en haut des, des habitations, en bois, qu'on plaçait de travers pour sécher nos mocassins. Fait que le lendemain matin, c'est le mari qui est parti avant la femme pour trouver l'endroit où il y aurait le nouveau campement puis les... le petit gars, il était pieds nus dans l'habitation puis ses mocassins étaient perchés. mais vraiment tu était en haut fait que la femme elle, elle s'affairait à préparer les bagages ouais, donc, puis a... le petit gars tu vois tu voyait bien que ça, sa mère il... que sa mère se préparait à partir plier les bagages fait qu'il lui elle... il lui demandait de il disait disait, "chose-moi maman" mets-moi mes mocassins. Fait que là, la, la, la femme il disait non, non, pas tout de suite, j'ai ça à faire, j'ai des bagages à mettre sur le traîneau. Fait que le petit garçon, il arrêtait pas de dire chausse-moi, de lui mettre ses mocassins. Puis la femme n'avait jamais le temps. Le petit garçon a dû demander ça, je ne sais pas combien de fois. Puis à un moment donné, c'est tu sais, de, 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 la dernière fois que le petit gars demande à sa mère de le chausser, de lui mettre ses mocassins. Fait que là, la, 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 la femme a dit Non, je ne peux pas tout de suite, il faut que je mette mes raquettes, puis que j'essaye je, que je, je, la lourdeur de ma, du traîneau. Fait qu'elle a fait ça, mais en faisant ça, elle en a profité pour sacrer son camp, pour s'en aller. T'sais, fait que le petit gars, quand elle a vu que sa mère s'en allait à courir, là, à se dépêcher, à marcher, elle a couru derrière elle, puis là, elle a réussi à l'attraper, puis à monter. Sur le traîneau, mais la mère, tu la, la, la jeune, tu comment je dirais ça en français, il l'a envoyé par terre. Fait que, Mais le petit gars continuait à courir, mais, mais il ne pouvait pas attraper sa mère. Ben, il y il avait des pieds nus sur la neige. As, tu finis par avoir trois fois au pied. Puis il est retourné. Il est retourné dans l'habitation, mais dans l'habitation, il restait quand même encore le foyer. C'était chaud, ben alors le petit gars s'est mis à pleurer, mais à pleurer, à pleurer. Euh, il pleurait, parce qu'il savait qu'il avait été abandonné. Fait que c'est ça, puis à un moment donné, dans ses pleurs, il n'entendait pas, tu vois. T'sais, des gros pas qui s'en viennent, fait des, il regarde, c'est qui qui s'en venait. Mais c'était un géant, un géant, un grand, grand, grand homme. Fait que là, le petit gars, il a dit Mais maman, c'est Atchen qui vient me rejoindre. Puis chez les Innous, Atchen c'est un anthropophage, un cannibale. Mais il, a, mais il était aussi grand que lui, puis c'était un grand homme. Fait comme mais c'était son grand-père, Mastabeo. c'est notre grand-père à tous. Ils viennent nous voir dans nos rêves. Fait que l'homme a dit à son petit-fils mais dit tu trouves pas que c'est ta mère qui est en qui t'a abandonné fait que le petit sais il pouvait rien dire alors il a demandé à son petit-fils mais pourquoi est-ce qu'on t'a abandonné mais il dit parce que j'avais trop de peau fait que l'homme a décidé d'épouiller son petit son petit-fils fait qu'il lui a enlevé toutes les peaux qu'il avait. Puis il lui a laissé un pot mâle, un pouls femelle, un bébé pauvre, puis une lente. Parce qu'il dit, tu sais, ça occupera les Indiens de l'avenir, l'histoire d'hiver. Fait que le lendemain, il dit à son petit-fils, il dit, veux-tu qu'on aille rejoindre tes parents? Fait que le petit gars était content, il n'en voulait pas du tout à ses parents qui l'avaient abandonné. Fait il peut tu sais, c'était un peu il était, il était encore un géant. Fait que, il l'a mis ici, tu sais, dans son mocassin, il y avait un trou. Fait qu'il a mis dans son mocassin, là, où le petit garçon pouvait voir, tu pendant, pendant qu'il faisait le voyage. Fait que c'est ça. Puis finalement, tu vois, ils ont vu, ils ont rencontré toutes sortes d'animaux en chemin, un porc-épic, tu sais, tout, tout ce que, les, tout ce que euh, du gibier, tout ce que les Indiens ont mangé dans ce temps-là avant. Alors, puis Mastabeau pouvait pas tout manger parce que s'il ne mangeait que le, les poumons et le foie, parce que selon ce que Mastabeau disait, s'il avait mangé la viande, tu aujourd'hui, il n'y aurait pas de goût. Tu sais, il goûterait rien. Puis finalement, ils sont arrivés au, au nouveau campement. Ça n'a pas pris du temps à Mastabeau pour y arriver parce que c'était un géant. Fait qu'ils sont arrivés, fait que la mère toute surprise, tu comprends bien, tu sais, de voir son fils qu'il avait abandonné. <laughs> fait que là, il, t'sais, t'sais, il dit, elle le regarde, mais il dit, « Qui t'a ramené ici, mon, mon garçon? » Fait que le petit gars, il dit, « Mais, il dit, c'est mon grand-père. » Fait que la femme, tu regarde, t'sais, t as, t as, t as ce grand homme, mais il dit, « Ça doit être à Jen. » T'sais, il a pensé la même chose que son fils avait pensé. Fait que tient était grand, puis euh, tu sais comment finalement. Fait que fait que quand quand Stabu a entendu les pensées de la femme, mais ben, il lui a dit mais c'est pour vous qui êtes un tient qui avez abandonné votre fils. Fait que là la maman tu sais pouvait rien dire rien 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 parce que c'était vrai. Fait que euh, le petit gars a demandé à sa mère, est-ce que mon grand-père peut rester avec nous? Mais ben, la mère puis le père, le gros pour regarder, c'est un géant, comment aurait-il pu rentrer dans les habitations, dans les habitations traditionnelles? Ben, mais Mustavo Tu vois, c'est un esprit. Alors, euh, fait que la mère se sentant un peu obligée d'héberger. Euh, Mastabé ou le grand-père du petit bonhomme, il s'est rapetissé pour prendre la forme d'un être humain normal. Fait que le petit gars, tout, tous les jours, il partait à la chasse avec son père, toutes les chasseurs. Puis le soir, quand il revenait, il se mettait « Grand-père, grand-père, j'ai ramené tes poumons. » Tu parce que. Le... Comme je vous ai dit, de, de... Mustabeu ne pouvait pas manger autre chose que les poumons des animaux pour le goût des Indiens du futur. Alors à tous les jours, à tous les jours, puis Mustabeu, lui qui était bien installé dans l'habitation traditionnelle, il foutait rien. Il était juste là à se, à, à se faire servir les poumons quand son petit bonhomme arrivait, puis il restait là, puis on moment donnait la femme. Il a eu des mauvaises pensées pour M. Tabeau. Fait il dit il pourrait faire, il pourrait faire quelque chose, aller couper, de, aller chercher du bois de chauffeur, faire taire les chiens qui n'arrêtent pas de japper. Fait que, mais il avait toutes sortes de pensées comme ça négatives. Mais M. Tabeau, lui, comme c'est un esprit, il savait à quoi penser. Cette femme-là. Fait que là, il s'est levé, puis il a regardé la femme. T'sais, il a dit, « Faites bien attention de pas réussir à consoler mon petit-fils. » Puis là, est parti. T'sais, il a repris sa forme de, de géant, de géant, il est parti. Mais il a marché lentement, lentement. Alors, quand le petit garçon est arrivé le soir, tu vois, il, a, il est arrivé avec les poumons, puis il disait Grand-père, tu ramené tes poumons. Mais, mais ah, sa veuve n'était plus là. Pis, euh, fait que, il demande à sa mère Mais il dit Où oui, est mon grand-père Fait que sa mère lui dit Il est parti. Puis ça faisait tellement de peine au petit bonhomme, tu sais, qu'il qu ne verrait plus son grand-père. Fait qu'il a demandé à sa mère dans quelle direction elle est partie. Fait qu'il s'est mis à courir, à courir. Puis il a fini par attraper son grand-père, tu sais. Puis donc, un peu, lui a soufflé trois fois dessus. Tu sais, puis il est retombé à l'entrée de son habitation. Trois fois comme ça, comme Staber a fait. Mais la troisième fois, il a mis comme barrière son peigne. Donc le petit gars était l'autre côté. Puis là, il a dit à son petit-fils, il dit, « Tu vas pouvoir me revoir. » Fait que là, il a dit, puis là, le petit garçon, il dit, « Comment je vais faire pour te revoir ?» Il dit... Fait qu'il lui, a... qu lui a expliqué qu -ce qu te... quel genre d'habitation que le petit garçon devait faire pour revoir son grand-père. Fait qu'il lui a tout expliqué. Puis c'est comme ça qu'on a appris pour revoir Mastaba. C'est comme ça que les Indiens, aujourd'hui... Mais du moins dans le temps de... qu'on a appris à faire les kouchabachakan. quand c'est une tente tremblante. Puis c'est dans la tente tremblante qu'on peut parler à tous les animaux et à Mstabu. Puis là, il est parti. Alors le petit garçon, il a soufflé une dernière fois sur son petit-fils qui est retombé. Tu sais, à, à l'entrée de son habitation. Mais là, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Il pouvait l'entendre pleurer jour et nuit. Il était vraiment. Inconsolable. Puis la femme s'est rappelée que quand stable lui a dit faites bien attention de pas réussir à, à consoler mon petit bonhomme, fait que c'est sorti, il pleurait. Il y avait beau lui offrir toutes sortes de choses, le petit, le petit garçon restait inconsolable jusqu'au jour où son père lui demande mais qu'est-ce qu'on pourrait faire C'est pour, pour que tu cesses de pleurer. T'sais, comme je vous ai dit au début, c'était toujours, 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 toujours l'hiver. Alors la, le petit bonhomme a demandé quelque chose d'impossible. Fait que là, tu sais, ben, il a dit à son père, mais ben, il dit j'aimerais chasser, chasser les oiseaux d'été. Fait que là, c'était comme une demande impossible, à à fait que là. Le lendemain... Ils ont fait un gros, gros rassemblement, puis tu vois, tu sais, il y avait le caribou, il y avait le loup, il y avait le pécan, la loutre, tu sais, pour décider, qui irait, tu sais, essayer de trouver les étés qui n'existaient pas. Fait que là, c'est ça, fait que c'est ça qui est arrivé, tu sais, des animaux, c'est des animaux divers sont partis mais sauf qu'ils sont arrivés d'abord chez le castor géant puis castor géant t'sais, 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 il y a pas très bon caractère puis il n'est pas très recevant non plus par contre il a de la graisse hein de la graisse. mais sauf que tu ah, sais c'est les chouettes qui les avaient avertis c'est de faire attention de pas offusquer le castor fait que là, ils ont regardé l'autre la, qui, qui arrête pas de rire et euh, qui rit à propos de tout et de rien. Fait que et, ils ont décidé de pogner l'anneau puis de le chatouiller, chatouiller, jusqu'à temps qu'il meure presque de rire. Fait que l'autre, il dit arrêtez, arrêtez, je vais faire pipi, tu je vais pisser. Fait que, là, a, fait que, là, les que des animaux, ils ont, ont pensé, ben, tu sais, il en est rendu là, est parce qu'il y a dû. Rire, toute son saule, il doit plus rester de rire en lui. Effectivement, ils sont arrivés chez le castor. Puis tu vois, Castor, tu vois, tu sais, quand il a vu la gaine arriver, il a dit, bien évidemment, il a dit de la visite, tu sais, vous m'êtes obligé de vous faire rentrer. Fait que, tu sais, tous les animaux se sont installés, puis tu vois, puis le, le, le castor, il a sorti son ballot de graisse. Pour, pour le partager avec tout le monde, parce que pour nous, les Inuits, la graisse de caribou, c'est ce qu'il y a de plus important. Puis c'était important, de, il avait comme une richesse, le castor. Mais sauf que le castor, à chaque fois qu'il déplaçait son, 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 son balou de graisse, il n'arrêtait pas de péter. Fait que, puis il le déplaçait pour faire des tant de graisse à caribou, tant de graisse sur l'autre, tu sais. puis c'est ça qui a fait que aujourd'hui des animaux ils ont tant de graisse sur eux. C'est comme si Castor avait décidé tu sais, que chaque animal il aurait du gras sur son corps de telle et telle façon, mais sauf qu'à chaque fois qu'il bougeait, il arrêtait, il arrêtait pas de péter il pétait il pétait fait que tu vois. puis ils avaient installé la loutre en arrière pour être sûr que tu que de, de castor géant le remarquerait pas fait que tu tu comprends euh, tu comprends bien de la loutre d'entendre péter le castor de même à chaque mouvement qu'il faisait t'sais. Il y avait comme envie de rire, mais sauf que le pécan, je pense, puis euh, euh, c'est qui le pécan. En tout cas, un autre animal fait qu'il donnait des coups de coude, mais à un moment donné, il pouvait plus se retenir à force d'entendre le de, de castor géant péter. Fait que quand il s'est mis à rire, fait que là, ça a fauché le castor. Il est parti. Il a, il a, il a remis son ballot sur lui, puis là, il est sorti de sa cabane. Mais à l'entrée, il y avait le pékin et les loup. Quand ils passaient, ils ont coupé l'anière, parce qu'on partageait comme ça, nous autres. Mais trop en colère, ils ne s'étaient pas rendus compte. Fait que là, les animaux divers, ils ont partagé la graisse avec tous les animaux, mais ils ne voulaient pas en donner à la loup parce qu'ils avaient, avaient failli faire rater toute l'opération. Fait que c'est ça. Puis ils ont continué leur chemin, mais sauf que, tu sais, quand ils avaient rencontré les chouettes, tu les chouettes leur avaient expliqué, quand vous verrez la neige qui est de moins en moins blanche et puis qui est mouillée, vous allez être dans la bonne direction. Fait que des animaux sont partis, sont partis. Toujours puis surveiller la neige, si elle était encore dure ou, euh, tu je sais pas, poudreuse, c'est toujours de la neige, toujours de la neige. Puis ils ont marché, puis ils ont rencontré toutes sortes d'obstacles sur leur chemin quand même. Puis à un moment donné, ils sont arrivés, il y avait les chevaliers à grandes pattes qui étaient là. Puis eux autres, ils n'étaient pas loin de, de l'endroit où il, ce serait possible que des étés existeraient. Alors là, ils se sont mis à crier il y a des étrangers qui viennent, il y a des étrangers qui viennent. Fait que les, 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 les gens d'hiver, ils, ils ont dit aux au, au chevaliers à grandes pas ben, ils dit, mais ben, il dit, y a un enfant qui est inconsolable, il veut chasser les oiseaux d'été. Fait que tu ben, 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 comme les chevaliers à grandes ils ont beaucoup de tendresse pour les enfants, fait ils se sont mis à crier, « Nous avons menti, nous avons menti, c'était des blagues, c'était des gros mensonges. » Les animaux divers, ils ont continué, ils ont continué. Puis, à un moment donné, ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Wéptautihéko. c'est un mot tellement ancien, je ne sais pas exactement qu ce que ça veut dire, mais ça pourrait... Vouloir dire, c'est comme si tu arrivais à une frontière qui sépare, que, que là, il y a comme un changement de température. C'est comme si tu arrivais dans un ailleurs. Puis une fois qu'ils que arri sont arrivés, ah oui, dit, Fait que là, tu vois, t'sais, le, le, le temps avait changé, la neige avait pu, t'sais, avait changé aussi. Puis ils ont fini par arriver à une rivière. Puis dans, à la rivière, il y avait, euh, avait euh, Ramusquet qui faisait le guet. Il se promenait pour être sûr. Il nageait. Il allait du nord au sud, d'est en ouest. Puis il faisait le guet. Puis, puis euh, des, des, des gens divers se sont cachés parce qu'ils étaient d'un bord de la rivière. Fait que là, puis à un moment donné, Ramusquet s'est rendu compte qu'il y avait des... Il y avait des étrangers qu'il ne connaissait pas fait qu'il a voulu faire comme les chevaliers à grandes pattes tu qu'il y avait des étrangers qui étaient dans le coin mais sauf que les gens d'hiver ils ont dit tu c'est averti pas là on va te donner de la graisse fait que l'hôtel ramusqué qui était friand de graisse lui aussi fait qu'il lui ont donné un beau morceau à ramusquer. Mais il aimait tellement ça, il a tellement léché ses pattes. Tu, sais. tu sais, quand on regarde les, les, les griffes de, de Ramusquet, on dirait qu'elles sont toujours pleines de gras. Ben, il dit Qu'est-ce que vous allez faire Il dit Les gens d'été vont se rendre compte que j'ai vu des étrangers. Il dit que... En tout cas, il paniquait un peu. Fait que là, les gens d'hiver, il dit Dis-leur qu'elle était à un endroit de la rivière. Que tu n'étais jamais allé. Puis euh, à cet endroit-là, il y avait des algues très gras. Fait que, mais comme euh, était, il voulait manger encore de la graisse. Fait il a demandé aux gens d'hiver, il y avait une bonne excuse pour, 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 euh, pour euh, raconter pourquoi tu n'étais pas étais si gras. Fait que, là, les gens d'hiver lui ont dit Mais il dit, on va t'en donner d'autres. Ah, si tu fais quelque chose pour nous autres. Fait que, a mis dit Mais quoi, 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 qu'est-ce que je dois faire pour avoir d'autres graisses Fait que, là, il y a... fait que les... <laughs> les gens d'hiver, ils disent Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller ronger les canaux et les, et les avirons. Tu sais, puis il dit Demain matin, très tôt, il dit Tu mettras une sauce sur ta tête avec les racines. Puis il dit, tu, tu, tu traverseras la rivière. Alors il s'est exécuté. Puis le soir, venu, tu vois, pis chez les gens d'été, ils étaient tout le temps en train de festoyer, ça dansait, ils oui, donnaient le tambour. Puis ils ont envoyé la chouette cendrée pour aller épier. Qu'est-ce que les gens d'été faisaient puis, tu sais, dans, dans, dans leur chapeau de aux gens d'été, tu il y avait quand même des trous qui, qui, qui avaient été faits, tu sais, à cause que, le, dans ce temps-là, tu sais, les, les feux étaient ouverts. Fait que ça faisait des trous. Fait qu'à un moment donné, tu sais, des, des, des gens d'été, je comme, tu sais, quelque chose, tu sais, qu'ils ne sentaient pas habituellement. Les gens d'hiver avaient envoyé la, la chouette cendrée. Pis, fait que là, ils regardaient par le trou. Fait que les, 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 les gens d'été, ils ont dit, tu sais, prends un bateau, à un des gens d'été, prends un tison, prends un tison, puis brûle, tu sais, ce qui dépasse, tu sais. Fait que là, tu, tu comprends bien, dans le temps, là, le, le, le bec de la chouette Andrée était droit. Fait qu'ils ont pris, tu puis l'homme d'été, il a brûlé, mais il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, il est resté calme, même si ça lui faisait très mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois la chouette Sandrée, elle a comme euh, le, le nez un peu comme ça. Ben voilà, c'est ça. Bon, ben. Je, je... Fait que tout le monde est allé se coucher après avoir dansé, festoyé, tout. Puis, euh, comme de fait, Laurent Musquet le lendemain matin, il a, tra il, il a pris, il a mis une souche sur sa tête. Puis, mais mais là-bas aussi, il y avait des chouettes, deux petites vieilles qui faisaient le guet dans, à la rivière. Fait, quand ils ont vu passer la, leur amusé avec une souche sur la tête, fait que, comme ils ne voyaient pas très bien les petites vieilles, fait ils ont crié, ils ont dit c'est ben, notre orignal qui est en train de traverser des criers, elle fort, tu vois, parce que, tu alors ça a réveillé les gens d'été, puis se sont précipités pour embarquer dans leur canot pour, pour aller rejoindre l'orignal le, 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 qui traversait. Enfin, mais sauf que, comme Ramusquet avait perforé, tu les avirons les, qui avaient perforé les canaux pour ronger les avirons. Mais tu vois, rendu, tu sais, les gens d'été sont partis à vitesse pour poigner euh, mais Sauf qu'ils ont coulé. Leur canot étaient perforé, tu comprends bien. Sauf que c'était chanceux quand même. que ça... Tu sais, parce que c'était euh, le poisson blanc, puis c'était la cape qui faisait partie c'est tu sais, des gens d'été, puis c'est des bons nageurs. Alors, tu vois, quand. quand a, ben, mais tous les gens d'été, quand ils ont coulé au milieu de la rivière, mais des gens, divers autres, ils ont profité pour traverser la rivière, puis les étés étaient accrochés à chaque bout du, du chapeau Toi, Il y en avait un là, il y en avait un. Fait qu'ils ont saisi les, 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 les étés. Puis ils se sont mis à courir, puis c'était Caribou et Maïgun qui, qui portaient les, les étés parce que les plus rapides. Puis il y avait le Pécan, il y avait l'autre la, qui eux autres empêchaient les gens d'été d'attraper, d'attraper les, les gens divins qui partaient avec leurs étés. Puis à un moment donné, quand, quand les, les gens d'été se sont rendus compte qu'ils attraperaient qu'ils ne réussiraient jamais a attrapé, tu sais, la caribou et, et, et le loup, fait que, tu sais, ils ont dit, bon ben, tu sais, euh, ils ont été bons perdants, fait qu'ils ont dit aux gens d'hiver, mais tour à tour, ce sera l'été, et tour à tour, ce sera l'hiver. Et depuis ce temps-là, tu vois, ce n'est plus toujours l'hiver, on, on vit des des saisons, puis tu vois, puis à mesure qu'ils arrivaient, là, le petit garçon inconsolable, bien, là, tu voyais, tu as vu les oiseaux sortir des sacs, les oiseaux d'été, des oiseaux, là, c'est comme les canards aquatiques, les, les sais, qui, qui s'en vont vers le nord l'été. Fait que là, le petit gars, tu comprends bien, quand ils ont vu arriver, il s'est mis à chasser, puis à les tirer à l'arc. Mais ça, les oiseaux, ils ont eu peur. Ils disent, s'ils n'arrêtent pas de nous chasser, ils vont nous décimer. Alors, ils ont invité le, le petit garçon à être un des leurs. <rit> <rit>